c'est Hong Kong. Encore ceci. Si vous le désirez, Hong Kong, cela peut être aussi cela. Quand même, à Hong Kong, le soleil ne brille pas toujours de cette manière, surtout depuis le dernier mois de mai. Brusquement, cet enfer de rêve est devenu un paradis de cauchemar. Car ils sont vrais, malgré bien des démentis, ces documents terribles qui circulent plus ou moins clandestinement. C'est même à cause d'eux qu'une certaine presse américaine a pu titrer que des patrouilles de Mao circulaient dans la ville et que l'hôtel Hilton avait été bombardé. La vérité, nous avons pu la filmer. Ce matin-là, une des 10 à 40 bombes que régulièrement chaque nuit fait éclore n'avait pas encore eu le temps d'exploser. Nous la découvrîmes en plein cœur de la cité, au pied de la statue du premier gouverneur anglais de Hong Kong, Sir Thomas Jackson. Il est 3 heures de l'après-midi, le spécialiste du désamorçage en est à sa 12e bombe de la journée. Il faisait partie d'une équipe de 6. Deux sont morts depuis le début du mois, un troisième à sa main droite maintenant n'a plus de doigts. Pourquoi ces bombes? Jeu cruel ou révolte véritable? Bon, madame.
Ken Moss, directeur de l'hôtel Hilton, un hôtel particulièrement visé pour le symbole qu'il représente, Ken Moss nous répond. Moi, je crois que c'est next best pour faire marcher ou pour faire sauter un peu la police. Comme ça, la police, il doit aller par là et là et là et là. Ça peut pour faire ennuyer la police, je crois. Ça, c'est plus de ça. Il faut dire que beaucoup de journaux étrangers, surtout des journaux américains, ont publié des nouvelles assez alarmantes. On a même dit que le Hilton avait été bombardé. Moi, c'était pas exactement vrai. On avait notre problème. On a, comme vous voyez là, on est très près de la Banque de Chine. Et on était au centre des problèmes. C'est vous pour avez, ça. Vous avez une bombe dans votre ascenseur. C'est sûr, oui. Comment est-ce que ça s'est passé? Oh, quelqu'un a mis une bombe là-bas, mais il n'y avait personne dans l'ascenseur. Il a explosé. Peu de dommages, un peu de problèmes dans l'ascenseur. Mais pas de ça, oui. Hein. Est-ce que vous pensez que, par exemple, les Européens ici ont commis des erreurs qui ont provoqué un peu ce genre d'agitation? Oui et non. Je crois, moi je dois franchement qu'il doit changer un peu à Hong Kong les lois pour les travailleurs. Ça doit monter pour eux un peu. Il y a un peu de chaque côté. Ils se plaignent beaucoup, par exemple, que des enfants sont obligés de travailler, qu'il n'y a pas de sécurité sociale, qu'il n'y a exactement. Pas de garantie. Oui, exactement ça. Est-ce qu'il n'est pas un peu tard pour réagir? C'est difficile à faire. Je crois, moi je ne suis pas un politicien, mais je crois que c'est un peu dur à faire ça à Hong Kong, mais ils peuvent faire mieux, je crois. Oui. Faire mieux, cela ne semble pas toujours être le souci dominant d'une certaine élite. La danse macabre à Hong Kong a de bonnes joues roses et ne s'énerve qu'au rythme d'un plaisir dont on assure qu'il ne cesse jamais, puisque jamais ne s'éteignent dans les rues chaudes des lumières qui veulent faire croire que la seule vérité est celle de la légende. La vérité de Hong Kong, ce n'est pas en poussant la porte d'un bar qu'on la découvre. 90 000 personnes au kilomètre carré, 3,5 millions d'habitants répartis sur un territoire grand comme un drap déchiré. Pour comprendre le drame, pour être aveuglé par le danger, il suffit d'ouvrir les yeux.
Mais qui aurait l'idée de s'inquiéter au milieu de cette sérénité que seule confère la conduite à gauche des automobiles et l'embrouillamanie inextricable des bouliers de la comptabilité à la chinoise. Pourtant, en un seul jour, tout devait changer. Une grève banale dans une fabrique de fleurs artificielles, romantique au possible, sauf le sang répandu. Le même soir, un univers s'apercevait avec stupeur que les pauvres ne trouvent pas éternellement pittoresque de vendre leurs sœurs ou leurs filles pour avoir de quoi manger, ni de voir leurs enfants de 8 ans déjà prisonniers d'usines, sans hygiène ni vacances. Cette fureur était-elle le fruit d'une action communiste d'envergure? Certainement pas. Mais sur cette manifestation de la détresse d'un peuple, la Chine ne pouvait, sous peine de perdre la face, qu'étendre le manteau de son ombre rouge. C'est ainsi que l'on assiste à cet étrange spectacle. Dans cette ville où tant de communistes ou supposés tels sont traqués, ces affiches ne sont pas interdites, qui dispensent à foison l'effigie de la nouvelle idole et le condensé de ses pensées les plus provocantes. Parallèlement, un autre Hong Kong tâche de se persuader chaque jour davantage que rien ne s'est passé ici, que rien ne se passe. Que jamais rien ne se passera. Que dit en effet cette jolie personne aux touristes dont elle a le soin? Ceci. On écrit dans vos journaux qu'il y a le couvre-feu après 7h30 et qu'une escorte militaire est indispensable pour vous amener en sécurité de l'aéroport à votre hôtel. Vous voyez bien que cela n'est pas vrai. Ah, la presse, vous savez. Ce n'est pas vrai en effet. Les touristes, béats d'être rassurés, avancent dans ce jardin insensé qui domine la ville, construit par un milliardaire auquel l'argent avait donné le goût du délire. Même ici, quelque chose finit par troubler le regard le mieux dissimulé. Pour égayer la promenade des enfants, voici en effet ce que l'on propose entre deux espèces de Mickey peinture lurée, le rappel des pires supplices d'une Chine que, même disparue, on donne l'impression de vaguement regretter. De nouveau, la volonté d'oubli paraît être la plus forte.
Quand les bateaux cessent d'être ceux de la nostalgie, tout change. Ici vit réellement Hong Kong. Ça a l'air d'être beau. C'est beau. C'est terrible. Promiscuité, entassement, pestilence, folklore, folklore, que de crimes on commet dans ton nom. Par-dessus le marché, il y a l'eau. Trop d'eau autour des jonques et des sampans, et pas assez quand on en a besoin pour boire ou se laver. Il n'y a pas d'eau potable à Hong Kong. 4 heures par jour, les robinets de la Chine communiste, seul dispensateur de cette manne quasi-céleste, ouvrent enfin, et c'est la ruée sur cette timide abondance. Le courage de ces gens défie notre raison jusqu'à la fascination. 4 heures par jour. Ils ont vu pire, il y a quelques mois, 4 heures d'eau seulement tous les 3 jours. Quelques kilomètres de là, 2 mondes se dévisagent, prêts à exploser. Ici, à Chao Tau Tok, c'est encore Hong Kong. Et là, c'est la Chine, celle de Mao. Un simple rouleau de fil de fer marque l'endroit à ne pas dépasser. Même pas une vraie frontière. Une sorte de mince cloison entre les chambres accouchées de 2 frères ennemis. Qu'un bol de riz tombe du mauvais côté, c'est peut-être la guerre. C'est là qu'ont éclaté tous les incidents. C'est là, à Lowu, que se jouera d'abord le sort de Hong Kong, si tout d'un coup la Chine décide que la comédie a assez duré et que la vraie tragédie peut enfin commencer au grand jour. Pendant ce temps, imperturbables, les Anglais... Les Anglais jouent au cricket. Où ils se dorment à un soleil qu'ils prennent avec un certain sens de la grandeur pour le même soleil que celui des îles Bahamas. Alors une question se pose, est-il trop tard? Peut-on remonter le courant de l'égoïsme, de l'accoutumance, celui des simples surprises de l'histoire? La liberté, bien sûr, il y a la liberté à Hong Kong, c'est un atout, mais à quoi sert la liberté si on n'a pas l'occasion d'en profiter? Juste en face, Macao nous propose une réponse absurde à l'absurdité de Hong Kong. Ici déjà, le Macao vert sombre du Portugal a dû céder la place au Macao rouge sang de la Chine.
si cela prend parfois l'aspect d'une fête, il doit y avoir aujourd'hui à Macao bien des esprits tournés du côté de Hong Kong pour entraîner la ville sœur dans la nouvelle sarabande ou pour la prévenir de l'étendue du désastre. Oui, à Hong Kong, est-ce la fin? C'est à Macao peut-être que l'on peut le mieux se poser la question. Macao, l'exemple à la fois haï ou adoré, selon le cas, de ce qui pourrait se passer à Hong Kong, de ce qui peut-être déjà a commencé à se passer. À Macao aussi, on croyait une certaine stabilité assurée pour 1000 ans. Il a suffi d'un jour pour détruire toute une éternité. Il suffirait à Hong Kong, pour le même résultat, d'un simple robinet d'eau coupée. Qu'on le veuille ou non, l'histoire, depuis ses origines, n'a jamais fait machine arrière. On ne s'habitue pas qu'aux bombes, on s'habitue aussi à l'idée que le monde est en train de changer, que peut-être déjà le monde a changé, et même si l'on déteste ce changement. Alors, en attendant l'inévitable, par tous les moyens, ce qui a déjà cessé d'exister tente de prolonger l'illusion de son existence. One, have the vehicles returned back to base yet? Over. One, vehicles already returned back to base, over. One, roger, out. Toutes les nuits, c'est pareil, une sorte de rite, peut-être un supplément au manuel du parfait joueur de cricket. Il faut dire que nul gouvernement ne saurait tolérer que chaque jour des bombes fassent d'innocentes victimes, et surtout dans une ville qui, si elle souhaite des réformes, ne désire pas dans sa majorité parvenir pour cela à la caricature de tout ce qu'elle aime. Quand même, on ne voit pas sans gêne toutes ces arrestations et cette rigueur de tribunaux qui condamnent parfois des gamins de 16 ans à 2 ans de prison simplement pour avoir détenu des affiches ou inscrit quelques slogans sur un mur. On le veuille ou non, le malaise existe. Et la peur, même si on ne l'avoue pas, justement, peut-être parce qu'on ne l'avoue pas. Alors, voici un pays régulièrement ravagé par des typhons, sans eau, en proie à la fièvre des bombes, acculé au flanc d'un géant dont la sollicitude fait trembler 90% de sa population. Un pays où la lutte pour la vie est aussi acharnée que totale son indifférence devant la mort. Combien de temps encore? En tout cas, les dés sont jetés d'une partie dont on ne connaît pas très bien les règles, mais dont on sait en revanche quel est l'enjeu. Et les visages de ces joueurs.
Vietnam.